Sur le disque, Zender. Zender qui va contourner le goal. 23 secondes de jeu, ouverture du score. Yannick Zender pour Zug. 13e but de la saison pour Yannick Zender. La récupération, il élimine Markus Kruger, il contourne la cage de Lucas Flueller et il peut tromper le portier de Zurichois au deuxième poteau à raglace. Pourtant, Lucas Flueller, il a de longues jambes, une grande envergure, mais là, il se fait battre sur la première. Interception à la ligne bleue, Hoffman sur le but et la le goal. Le goal de Dario Simeon qui a pu toucher sur ce palais de Grégory Hoffman et tromper Flueller. Après 3 minutes et 6 secondes, Zug prend déjà 2 longueurs d'avance. Lucas Flueller qui paraît mal là sur cette action. Ce palais qui file entre les jambières du portier de Zurichois. Simeon pour Hoffman. Hoffman derrière lui pour Kovar. Simeon au centre et c'est le troisième! Dario Simeon pour un doublé après 8 minutes 57. À 8 minutes 53. Dario Simeon sur des passes de Jan Kovar et Grégory Hoffman. Et avec 15 réussites, il revient à hauteur de Kylian Motet dans les meilleurs buteurs du championnat avec 15 buts. Il en reste 2 devant, c'est Julius Nettinen et Denis. Il n'arrive pas à installer le jeu de puissance. Et le but, Nick Shaw en power play sur la passe d'Eric Torel. 4-44. Nick Shaw, le numéro 37. Le deuxième but pour le nouvel arrivé, l'Américain. Son 5e match. Rien à faire une nouvelle fois pour Ludovic Weber. C'est parfaitement joué dans la diagonale. Marty. Marty avec Hollenstein. Hollenstein seul face à Giannoli. Et c'est l'ouverture du score pour Zurich, qui réduit la marque à 1 à 4. Hollenstein, 17e but de la saison. Et il a parfaitement réglé la mire, le top scoreur zurichois. Il arrive face à Giannoni, le tir croisé juste en dessus de la jambière. Rien à faire pour le portier Zugua. Marcini, c'est du 3 contre 1. Marcini au deuxième poteau. Et ce puck qui finit au fond des filets. Raphaël Diaz. Ah, intéressant de revoir le ralenti. Marcini, c'est du 3 contre 1. Il a voulu jouer au deuxième poteau sur Nick Shaw. Ça a été freiné par Gehring. Weber qui ne bloque pas. Et Diaz qui vient pincher cette rondelle au fond des filets. Andrighetto. On va chercher la déviation de Benoît, le but! Hollenstein ou Bodenman à la déviation, 30-06, but en power play. Alors, Simon Bodenman pour son 5e but de la saison. Le 3e en power play, on va revoir Andrighetto. Et la déviation. Oui, c'est me semble bien que ce soit Simon Bodenman. On verra mieux sur celle-là. Ah non, voilà. Hoffman qui peut récupérer la rondelle. Hoffman qui va aller affronter Weber. Et le 6e, Grégory Hoffman.
Quelle deuxième période! Déjà 5 réussites, 3 pour Zug et 2 pour Zurich. Et là alors, Grégory Hoffmann sur cette relance de Jan Kovar qui se débarrasse des défenseurs et ensuite qui ne fait qu'une bouchée. Pour ce soir, Andrighetto. Andrighetto, le lancer, le but! Sven Andrighetto, 6-3! Un but qui tombe 26 secondes après la réussite de Grégory Hoffmann. 12e but pour Sven Andrighetto. Il y a du trafic là, Giannoni qui ne voit pas partir le départ du lancer. Et il est trempé dans l'eau. Hollenstein. Gehring. Hollenstein, le lancer, le but! Le hat-trick de Dennis Hollenstein en power play. 37 minutes 26. Alors qu'on va voir cette action de Bodenman sur Diaz qui n'a pas été sanctionnée. Et ensuite le lancer d'Hollenstein sur réception sur la passe de Patrick Gehring. À nouveau gagné son duel face à Sven Senteler. Le puck qui file. Au centre, le but! Sven Andrighetto pour un doublé! 49 minutes 30 secondes. Sven Andrighetto qui trompe pour la cinquième fois Leonardo Giannoni. À la sortie de Giannoni qui se fait prendre par le rebond capricieux. Bodenman qui joue parfaitement au centre. Et Giannoni qui n'avait pas eu le temps de se replacer. Andrighetto qui peut tromper Giannoni. Et pour la première fois du match, Dennis Hollenstein ne sera pas sur la feuille des comptes. Ça n'est pas cadré. Le puck qui vient devant la cage. Hollenstein! Hollenstein et ce puck qui finit au fond du filet! À 7 secondes de la fin du temps réglementaire! Zurich qui égalise dans un match complètement fou face à Zug. On va aller à la vidéo. On va aller visionner tout ça. Les arbitres, il me semble que Monsieur Stricker a indiqué le but sur la glace. Alors, on va voir ce puck qui est là sur la crosse d'Hollenstein, qui est sous la jambière. Le puck qui traîne et Ryan Lash qui vient mettre. Gavetto. À la ligne bleue. Lancez le but! Gavetto, est-ce que ça a été touché par Patrick Gehring? Mais à une minute de la fin de la prolongation, c'est Zurich qui va remporter les deux points. Eux qui étaient menés de 4 longueurs encore à la 33e minute, 6-2. Qui ont su revenir dans la fin de rencontre et aller chercher les deux points de la victoire. Se lancer du haut de la pointe de Garrett Rowe et encore une fois du trafic devant Giannoni qui ne voit pas venir la rondelle. Et les Zurichois qui vont donc chercher.